Alors, un autre aspect des choses qui concerne les recherches, donc cette chaîne tourbillonnaire, on la doit à Karman, et qui a été aussi étudiée par Theodor Schwenk, l'auteur du livre Le chaos sensible. Theodor Schwenk, lui, a fait un rapprochement entre le mouvement de l'eau que l'on a pu voir apparaître dans le bac, avec le geste comme ceci, je le rappelle, et l'on voit une croissance qui va dans l'autre sens. Et lui, il fait un rapprochement avec la croissance de la plante, ici un oignon. Et regardez bien, ici, il y a différentes feuilles qui se développent de part et d'autre, comme si la plante voulait exprimer quelque chose de foliaire. Évidemment, ce n'est pas avec l'eau qu'elle va fleurir. Mais on a vraiment une expression d'un modèle organique dans sa plus grande perfection.